Selon les dernières informations que nous avons de recevoir, le dictateur Denis Sassou Nguesso aurait fait son testament et aurait demandé à ses proches et à ses médecins de mourir dans son village natal. Affaibli par le poids de l'âge et la maladie, Denis Sassou Nguesso peine à cacher sa souffrance. Et il est horrifié à l'idée de mourir à l'étranger, selon la publication du média Monde d'Afrique. La mort du dictateur gabonais Omar Bongo Ondimba en Espagne l'avait terrifié. Comme nous vous l'avons dit dans nos prochaines publications, l'empereur Doyo ne finira pas son mandat, sauf erreur de l'agenda. Une information qui vient des renseignements occidentaux. L'étrange photo publiée lors de sa dernière vidéoconférence avec les membres de son régime avait déjà attiré notre attention sur l'état de santé inquiétant du dictateur Denis Sassou Nguesso. Si l'inévitable se produisait, son fils risque de connaître le même sort tragique que celui du fils de Mobutu. Le régime totalitaire de Brazzaville vacille et l'ensemble de la classe politique s'accorde à dire que le Congo n'est pas une monarchie constitutionnelle. Cette affirmation des classiques de la classe politique congolaise jette un regard discret sur ce qui se joue dans l'ombre. La division est sur toutes les lèvres et la fin de Denis Sassou Nguesso n'est plus qu'une question de temps. Vous savez très bien que la mort d'Antoinette et de Sassou sera une fête nationale au Congo. Vous le savez très bien. Vous n'avez même pas besoin de tester la réaction des Congolais. Vous savez que les Congolais n'attendent que ça. Votre mort, parce que vous n'êtes pas éternel et ça finira par arriver.